s'écrit Tout. T-O-U-T. Bonne ou mauvaise réponse? T-O-U-T. Très bien, ça me plaît. Bien! Reste. Deuxième candidate. Okula Epiphany. Le mot vacances. Regarde là. Vacances, c'est belle. V A C A N C E. Bonne réponse. Très bien. Bonne réponse. Suivant, monsieur, venez. Venez, venez là, venez. Venez là. Ok, on y va. Troisième candidate, dis pas rebellion. Le mot tête. Tête, c'est fils. T, E, accent circonflexe, T, E. Bonne réponse. Très bien. Bonne réponse. Allez, suivant. Yamba Perla, le mot élève. Le mot élève. Au pluriel. Le mot élève. Le mot élève. Au pluriel ou au singulier? Au pluriel. E accent aigu, L, E accent grave, V, E, S. Bonne réponse. Très bien, bien. Très bien. On continue. On continue. Au premier tour, sans faute. Premier tour, sans faute. Maintenant, on passe au deuxième tour. Est-ce que ça sera toujours sans faute? Oui. Ça va se savoir. Allez, monsieur, on continue avec vos candidats. Passez devant. Venez ici, monsieur. Monsieur, approchez. Allez, on appelle qui? On commence par Oboa Hop. Oboa Hop. Elle est où? On y va, Hop. Le mot? Oboa Hop. Le mot classe au pluriel. Classe au pluriel. Classe au pluriel. C-L-A-2-S-E-S. Bonne réponse. Très bien, bonne réponse. Allez, on continue. On continue. Allez. Okula Epiphany. Epiphany. Le mot. Le mot lecture. Singulier ou pluriel? Le mot lecture, la lecture. Sur cinq... okay. Lecture, c'est P-L. Bonne réponse. Bonne réponse. Bonne réponse. Allez, on continue. Attention. L'épreuve là, si vous remportez cette épreuve, ça fait 3 points. On continue. Élève, dis pas Rodélie. Rodélie, quel mot? Le mot grammaire. Grammaire. G R A M R I-R-E. Bonne réponse. Bonne réponse. Oui. Bonne réponse. Allez, on continue. On continue. L'élève Ebata Nessia. Ebata. Le mot? Le mot rédaction. Le mot? Rédaction. Rédaction. Le mot de rédaction s'appelle R-E-D-A-C-T-I-O-N. Bonne réponse. Très bien, bonne réponse. D'abord, il y a l'accent arrêt. La rédaction, il y a l'accent. Il y a l'accent. L'accent aigu. Oui, il y a l'accent aigu. C'est pas la bonne réponse. À rédaction, il y a l'accent. C'est rédaction, il y a un point. Tu quittes la compétition. Mets-toi de côté là. Plus que 4 candidates. Allez, on continue. On commence avec Oboa Hop. Hop! Oboa Hop. Là-bas, qui dérange, c'est quelle classe là? On y va. Restez calme, sinon je vais enlever les points. Attention, on commence avec Hop. Hop, regarde la caméra. On y va. Le mot. Le mot devoir au singulier. Devoir.
Devoir au singulier. D-E-V-O-I-R. Bonne réponse. Bonne réponse. Bonne réponse. Plus que deux mots. Plus que deux mots. Plus que deux mots. Alors, quel élève? Élève Perla Nyamba. Perla. Approche-la. Le mot? Le mot déterminant au singulier. Déterminant. Déterminant au singulier. Déterminant s'écrit D-E, accent aigu, T-E-R-M-I-N-O-A-N-T. Bonne réponse. Bonne réponse. Bonne réponse. Allez, on continue. Dernier mot. Okula Epiphanie. Epiphanie. Allez, on applaudit pour Epiphanie. 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 Allez, on écoute, on écoute. Le chiffre 16 en lettres. 16. 16 en lettres. 16 c'est bel. S E I Z E. Bonne réponse. Bonne réponse. Bonne réponse. Saka. Saka. On va suivre les SEM 1 maintenant. Monsieur, vous devez faire un sans faute si vous voulez marquer 3 points. On est d'accord? Vous êtes prêts? Attention. Attention. C'est parti. On appelle la première ou le premier candidat. Oui, la première candidate, Marine Princesse. Marine Princesse, on l'applaudit très fort. On y va, le mot. Oui, épelle le mot hospitalité. Hospitalité. Hospitalité s'écrit H-O-S. Hospitalité s'écrit H-O-S. T. Non, P, P. I. T. A. L. I. T. E. Accent aigu. Bonne réponse. Oui, bonne réponse. Bonne réponse. Ensuite. Lebella. Lebella. Si vous commettez deux fautes, vous avez perdu la partie. On y va. Vous avez perdu l'exercice là. On continue. Le mot. Épelle le mot impression. Impression. Impression s'épelle I-M-P-R-E-S-S-I-O-N. Bonne réponse. Bonne réponse. Bonne réponse. Ok, on continue. Oui. Fila. C'est le fair play. C'est le fair play, c'est super bien. Faut continuer. C'est bon, Perla. C'est le fair play. On y va. Le mot. Épelle le mot conversion. Conversion. Conversion s'écrit C-O-N-V-E-R-S-I-O-N. Bonne réponse. Bonne réponse. Bonne réponse. Allez, on continue. J'appelle la candidate Matisse. Matisse, viens. Ok, le mot. Épelle le mot athlétisme. Athlétisme. Athlétisme, c'est fait A-T-H-L-E, accent aigu, T-I-S-M-E. Bonne réponse. Bonne réponse. Bonne réponse. Cinquième candidat, c'est ça? Oui. Cinquième candidat. J'appelle le cinquième candidat, Alexandre. 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 On y va. Le mot. Épelle le mot starting block. Starting block. Starting block s'écrit S T A R T I N G trade union B L O C K. Bonne réponse. Bonne réponse. Bonne réponse. Voilà. Cinquième. Ça fait cinq mots. Le premier tour. Les SEM 1 sans faute. Maintenant, on va prendre le deuxième tour. Ah ah, est-ce que ça va toujours marcher? Voyons voir, c'est parti. Monsieur, on appelle qui? On appelle Lebella. Lebella revient. Lebella revient. On y va, le mot. Épelle le mot castagnette. Quoi? Castagnette. Aïe, aïe, aïe. On écoute. Castagnette s'épelle
C-A-S-G-N-E-T-E. Castagnette. Bonne réponse. Bonne réponse. Bonne réponse. Allez, on continue. Prochain. Oui, Marie-Princesse. Marine-Princesse. Attention, on est sur le point de vous enlever un point. On y va. Le mot. Le mot. Appelle le mot agenouillé. Agenouillé. Agenouillé s'écrit A-G-E-N-O-U-I-double-N-E, accent aigu. Bonne réponse. Bonne réponse. Bonne réponse. Allez, troisième mot, cinq, quatrième mot. La quatrième candidate, Matisse. Matisse monte. Matisse. Est-ce que Matisse va marquer le point? Sorte de fermer le goutte pour que Matisse rate. Est-ce qu'elle va gagner? On écoute le mot. Appelle le mot assouplissement. Assouplissement. Assouplissement s'appelle A-S-S-O-U-P. Non, ne soufflez pas. S-E-M-E-N-T. Bonne réponse. Bonne réponse. Bonne réponse. Cinquième mot. Cinquième mot. On y va. On appelle qui? Alexandre. On appelle qui? Alexandre. Alexandre. Alexandre vient. Cinquième mot, Alexandre. On y va. Heureusement. Heureusement. Heureusement s'écrit H-E-U-R-E-U-S-E-M-E-N-T. Heureusement. Heureusement. On applaudit très fort. Bonne réponse. Bonne réponse. Voilà. Mes chers amis, mesdames et messieurs, c'est maintenant que ça va se jouer. Il y a deux cas. Où la classe de SEM 1 épelle correctement les trois mots restants et elle marque trois points. Où elle rate un mot, les deux classes se partagent un point. Où elle rate deux mots et la classe de SEM 2 gagne trois points. Que va-t-il se passer maintenant? Que va-t-il se passer? C'est le Ntsaka. Tsaka. Voilà. Monsieur, il faut bien choisir vos candidats. Parce que c'est trois points quand même. Hein? Attention. Attention. Bon, les cas de CM2 sont en train de fermer le goutte. Hein? Attention. C'est parti. On appelle un premier candidat ou une première candidate. Une première candidate. C'est qui? Lebella. Lebella. Elle revient. Est-ce que Lebella va la voir? Est-ce qu'elle va l'arracher? Est-ce qu'elle va la voir? On va le savoir. C'est parti. Équilibre. Équilibre. Équilibre s'appelle E accent aigu Q U I L I Bre E. Équilibre. Équilibre. C'est correct. Merci. Bonne réponse. Elle a dit bre. On valide ou on valide? Ok. Ouais. C'est BR. Bon, Madame Michel, Madame Michel. On est. Elle a dit BR, elle a dit BRE au lieu de BR, E. Est-ce qu'on valide ou pas? Bon, je pense que quand on épelle, on doit épeller chaque lettre voilà. De l'alphabet. Donc, on ne valide, on ne valide pas. Allez! En ce moment précis, les deux classes ont un point chacune. Maintenant, monsieur, tes élèves ne doivent plus épeler un seul mot mal. Si ils épellent mal un mot, ils perdent un point et la classe de CM2 marque trois points. Donc, on appelle la prochaine ou le prochain candidat. C'est qui? Alexandre. Alexandre vient. On y va. Épeler tellement. Démonstration. Démonstration, vas-y. Démonstration s'écrit D-E accent aigu M-O-N-S-T-R-A-T-I-O-N. Bonne réponse. Bonne réponse. On applaudit très fort. Allez. Tout va se jouer maintenant. Si le dernier ou la dernière candidate
épelle mal le mot, la classe de CM2 marque 3 points. Mais si le dernier ou la dernière candidate épelle très bien le mot, les deux classes vont avoir chacune un point, et la classe de CM2 aura 2 points contre 1. Et va garder son avance. On est d'accord? Bien, on appelle qui? Matisse. Matisse, on l'applaudit d'abord. Matisse. Ntsaka. Mesdames et messieurs, le Ntsaka, mon club de SEM 1, SEM 2, épellation des mots. Le mot synchronisé. Synchronisé. Wow. Wow. Synchronisé. On y va. Synchronisé, c'est paix. Oui, on n'a pas encore validé, hein. Il n'avait pas donné la consigne. Il fallait dire si c'est au pluriel, au singulier ou à l'infinitif. À l'infinitif. Synchronisé. On y va, go. Suivez. Synchronisé, c'est S-Y-N-C-H-R-O-N-I-C, plutôt S-E-R. S-E-R. Bonne réponse. Bonne réponse. C'est la consigne qui n'était pas bien donnée. Un point ici, un point là. Oui, écoutez. C'est monsieur qui n'a pas bien donné sa consigne. Si votre monsieur avait demandé une deuxième chance, j'allais lui donner une deuxième chance. C'est à votre monsieur de décider, on est d'accord? Allez, on continue. Maintenant, Ntsaka, pour le moment, la carte de SEM 1 a 2 points, la carte de SEM 2 a 1 point. Mais est-ce que ça va rester comme ça ou... La carte de SEM 1 va se rattraper. Ça va se savoir. Saka? Non. Madame Michel pour voter. Allez, on décompte pour Madame Michel. 4, 3, 2, 1, go! Qui a gagné? Bonjour tout le monde, je voulais donner ma victoire au SEM 2, mais je réalise qu'ils sont trop méchants pour avoir ma victoire. C'est utile vraiment de multiplier ce genre d'activité parce que ça permet aux enfants de développer leur capacité intellectuelle. Oui. Parce que quand le fort épelle les mots déjà, le mot là va s'asseoir, va rester gravé dans sa pensée. Je suis très content d'assister et de participer aussi à des jeux comme ça. Je suis très sûr, je suis convaincu, persuadé que Canadienne va revenir ici avec le prix.